Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux d'être en compagnie de Xavier Tribollet pour vous présenter le Northstage 3. Le Northstage 3 remplace le Northstage 2 et il intègre tout le savoir-faire de la marque. Le moteur du Northlead 1 avec lecture d'échantillons, le moteur audio du Northstage 2D et une section piano encore plus poussée. On dispose maintenant de deux écrans OLED pour une meilleure lisibilité sur scène, de transitions sans coupure au passage entre deux sons, d'une fonction split étendue et d'un nouveau mode song list qui font de ce clavier un outil encore plus ergonomique et indispensable. On retrouve les trois sections habituelles, orgue, piano et synthé, qui peuvent être jouées en même temps. Et on dispose de deux panneaux indépendants qui permettent d'avoir deux orgues, deux pianos, deux synthés et deux jeux d'effets simultanément. Le Stage 3 permet de changer de son sans coupure audible entre les programmes. L'excellente section de piano intègre 2 Go de mémoire pour le stockage des sons issus de la librairie NordPiano, une polyphonie étendue et de nouveaux filtres créatifs. La technologie de pointe propriétaire Nord pour l'échantillonnage permet de capturer l'essence même des instruments d'origine. Le système unique de résonance de cordes et de bruit de pédale délivre un réalisme époustouflant et une expressivité inégalée. À sa sortie d'usine, le Northstage 3 est déjà pourvu de pianos de concert, de pianos droits, de pianos électriques, de pianos numériques, de clavinettes et de harpes. Ils sont méticuleusement sélectionnés parmi les échantillons de notre vaste librairie de sons exclusive. Tous les sons peuvent facilement être remplacés grâce au logiciel Northsound Manager. La section piano inclut également une nouvelle catégorie intitulée Layer qui propose des sonorités superposées, riches et dynamiques. La section piano propose aussi de nouveaux filtres créatifs. La section orgue comprend les dernières modélisations issues du C2D, avec des modélisations d'orgue arouphonique, d'orgue classique à transistor, ainsi que de nouveaux orgues liturgiques. Il est maintenant possible d'utiliser simultanément deux modèles d'orgue différents, ce qui vous offre la possibilité de mélanger un B3 avec un Vox, un Farfisa ou un orgue liturgique. Le Stage 3 Compact intègre des tirettes harmoniques physiques ainsi qu'un clavier semi-lesté. Il peut également accueillir le sélecteur Half Moon. Thank you.
La section synthé dispose du moteur audio du désormais célèbre Norlida 1, combiné à un lecteur d'échantillons et un écran OLED dédié. Le moteur du Lida 1 est réputé pour la chaleur de son émulation analogique et offre des configurations intelligentes d'oscillateurs pour un résultat stupéfiant avec très peu de programmation. La section de synthé intègre une nouvelle catégorie d'oscillateurs appelée superwaves pour générer des sonorités très riches. Elle permet la lecture d'échantillons et elle est fournie avec une large sélection d'échantillons provenant de la librairie Nord, comme des cordes, des guitares, des instruments à vent, des chœurs, des synthés et bien plus encore. Vous y trouverez également une bibliothèque exclusive de sons de mélotron et de chamberlin. Tous les échantillons peuvent être modifiés selon votre créativité au sein du moteur de synthèse A1. Et vous pouvez même créer et transférer vos propres samples en utilisant le logiciel Nord Sample Editor. La section d'effets contient une large palette d'effets haut de gamme, modifiables en temps réel, incluant un trémolo, un phaser, un chorus, un panoramique, un effet wah, un ring modulator, un flanger et un vibrato, tous issus de modélisation de pédales. Elle inclut de nouveaux paramètres modifiables à l'aide de la fonction morphine, un délai amélioré, ainsi qu'une réverb et un compresseur indépendant pour chaque panneau, ainsi qu'un nouvel effet de filtre. Le Stage 3 permet 3 points de split simultanés et une nouvelle fonction de crossfade au niveau du point de split. Choisissez parmi 3 comportements de crossfade, petit, large ou éteint, signalé par la couleur des LED.